Entrez dans le sas de décontamination. Alerte utilisateur. Présence d'agents pathogènes dans la chambre de décontamination. Accès fortement déconseillé. Ils sont enfermés. On peut court-circuiter la porte. On dirait qu'elle mène au téléphérique qui va en station annexe. Le groupe de contrôle rôde un peu partout dans les labos. Les sons doivent être dingues. On va tous y passer. Ils viennent par les tunnels. Personne n'a réussi à activer notre destruction. Pardonnez-nous. Ne restez pas là. Fuyez. Il s'est tué parce qu'il était impliqué dans l'accident. C'est trop con. On n'a qu'une seule vie après tout. Départ de la station centrale. Destination, station de la faille. Arrivé à la station de la faille, complexe de recherche de Twin Helix. Baissez vos armes. Désolé, impossible de savoir avec certitude ce qu'il y avait dans ce téléphérique. J'aurais fait de même. Qu'est-ce qui se passe ici? Des insectes, des milliards d'insectes. Ils viennent des tunnels qui desservent les labos fortifiés. Mon équipe est sous stimulant depuis des jours et des jours. Écoutez, vous êtes humaine, ça suffit pour que je ne vous tire pas dessus. Mais j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Je m'appelle Shepard, je suis un spectre. À cheval de nez, on ne regarde pas les dents, comme on dit. Surtout si le cheval en question a un énorme flingue. Les labos fortifiés sont tombés la semaine dernière. Seul Han Olar a réussi à en sortir, et encore, ça ne tourne plus rond là-haut. Avant qu'on ne se rende compte de quoi que ce soit, ils étaient déjà dans mon poste de commandement. On avait plus d'hommes que maintenant. On n'a jamais rien vu de semblable. Qu'est-ce que vous savez ? Je ne suis pas xénobiologiste. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils se déplacent vite, qu'ils sont futés et qu'il y en a un sacré paquet. Le comité a envoyé une Asari pour gérer le bazar.
Elle est partie pour les labos fortifiés hier. Plus de nouvelles depuis. Je ne vais pas vous laisser mourir, vous et vos hommes. Tout ce que je peux faire, c'est rester ici et protéger les civils. Il y a un ascenseur d'urgence près des téléphériques que vous pouvez activer avec cette carte. Il vous emmènera au labo. Si vous avez besoin de soins, le docteur Cohen est en bas, à l'infirmerie. Dites-moi plus sur la station de la faille. Je n'ai pas le temps de tout vous expliquer. Que voulez-vous savoir ? Parlez-moi des systèmes de défense. Ne fourrez pas votre nez partout, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous m'avez impressionné avec cette opération. Être capable de repousser un assaut pendant une semaine, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour travailler dans un complexe haute sécurité, il ne faut pas être manchot. Ce qui m'impressionne le plus, ce sont ces tourelles, ces sirènes et ces caméras. Tout est contrôlé à partir d'un seul endroit, les labos de quarantaine. Un seul homme peut prendre le contrôle de tout le bâtiment. Le poste de contrôle est la dernière position de repli et nous serions couverts tout le long par les tourelles. Qu'est-ce qu'on y étudie ? Aucune idée, je ne suis pas censé le savoir. Tant qu'il n'y a pas de mort, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que vous savez sur les aliens ? Demandez au docteur Hollard. C'est le seul à être sorti vivant des labos fortifiés et le seul Volus encore en vie ici. Je veux en savoir plus sur ce qui se passe dans les labos fortifiés. Le complexe a été déconnecté du réseau. La seule façon d'en savoir plus, ce serait de faire descendre des éclaireurs, mais je ne vais pas envoyer mes hommes à une mort certaine. Les insectes venaient de l'intérieur du complexe ou bien de l'extérieur ? Vous voulez mon opinion personnelle ? Les labos de ce genre n'existent que pour provoquer une catastrophe stupide qui tue plein de monde. Parlez-moi de l'agencement des labos fortifiés. Ils sont construits au cœur d'un glacier très ancien, épais et stable. Si quelque chose va de travers, ils n'ont qu'à le réchauffer et le laisser couler dans la glace. En temps normal, le personnel accède au labo par téléphérique. Nous, on dispose d'un accès direct par ascenseur, mais seulement en cas d'urgence. Entre vous et moi, je ne vais pas envoyer mes hommes au casse-pipe. On se comprend ? Comment va le moral de vos troupes ? On ne s'attendait pas à la première vague. Ils sont parvenus à entrer. On a perdu pas mal de gens de valeur. Ceux qui restent sont en sous-effectif. On a réussi à tenir en allongeant l'écart et en utilisant les stimulants. Je n'aime pas ça, et je ne vois pas d'alternative. Vous êtes sûr que la matriarche est encore dans les labos fortifiés ? En tout cas, elle n'est pas revenue ici. Et vu que vous êtes passé par la station centrale, c'est qu'elle n'y est pas non plus. J'ai du travail. Ça, je veux bien cr... Merde ! Surveillez le périmètre ! Go, go, go ! Go, go, go ! Merci pour le coup de main. Plusieurs fois par jour, un groupe arrive par le tunnel du téléphérique. Ça s'est amélioré depuis qu'on a verrouillé l'ascenseur. Ils attaquent toujours ici ?